ba fantôme au bazar de sa partie. Non, mais c'est des gens qui existent dans le parti. Na lobby boye. Mais yo des crèmes des crèmes ceux qui veulent pas défendre. Comme la bango et banité. Il faut me dire là non. Soit ils sont comme la bango et puis la banine. Vraiment pas bango. Mais oye bi bango. Sauf ils ont monté au créneau. Sauf qui oye bi singa bango comme la bango. On a lobby. Mais la bi bango te on sale. Alors voter parce que je sais qu'il est parti, nous avons engagé beaucoup de gens. Mais il n'y a pas des gens qui viennent réclamer quand même la procuration. Dans le bibi, son akati a parti, nous avons été montoyés pour réclamer Maïe Matali en élection. Parce que tous nous avons reçu les mots d'ordre. Vous croyez que le siège n'a pas été Emmanuel Bahati. Nous sommes là pour le Bahati. Nous avons cité le combo de Maïe Balobi. Moi, je ne parle pas. Là. À quoi sert-il d'être ici? Mais pourquoi je dois citer au moment où il y a mon. Non, je dois savoir qui se plaint. Mais n'est-ce pas que Zolanda Bato en a plus? Je dis, bon, moi j'ai le temps de suivre mon autorité morale. Vous n'avez pas le temps de suivre j'ai le temps de suivre mon autorité morale. Ça c'est un. J'ai le temps de suivre scrupuleusement les actions de Fatih. Ça c'est deux. Troisièmement, j'ai le temps de m'occuper de la pérennisation de la politique de l'AFDC après l'élection. Pour le moment là, on a fait un grand travail à campagne. On s'est mouillé les maillots. Maintenant, là, je m'occupe de Maïe Matali. L'existence est partie en FDC. Je ne peux pas l'étendre à Ramos Zaratina. Ils en ont vraiment tiré. Oui, si tu ne me dis pas les noms. Ils vont servir Bino. Médar Kakolonga. Voilà. Non, mais au moins, il y a Zana Kati. Zazara, il y a mon repéter Bazar avec moi. Bon. Et là, on a Yébi. Nalandé, na top Congo, comment est-ce qu'il est en train de. Il est lésé même. Et là, on a Yébi. C'était cinq camarades. Du parti, oui. Azali, mon moko bien, Yebani, Akambassa la Gabien, avec son parti politique. Parce que lui est allié. Vous comprenez? Il faut d'abord qu'on précise ça. Qu'Azali, allié, il y a AFDC. Allié, mais vous voyez, ça. Attends, il est allié, mais n'est pas fils maison AFDC. Ça, c'est un élément de taille qu'il faut. Banamboka, Bayike, Baye Bayam. Deuxièmement, Bissot, par rapport au nombre où il y a un candidat qui est placé, dans le nombre aujourd'hui comme siège, tu as dit qu'il y a un groupement qui devrait se révolutionner. Mais comme nous sommes les pacificateurs, nous sommes là pour défendre mon autobotignon sacré. On a coupé sa tête d'Ingisa Naba Inia Congo parce qu'il y en a qui attendaient que l'Union sacrée et Kabouana, Basse Kabiso, va continuer avec leur critique. Nous, en tant que fils, en tant qu'adeptes, Yabatou Kwebo, on ne peut pas donner l'occasion à l'ennemi. C'est pour cela, au Monique, après publication, nous n'avons envoyé personne dans la rue pour aller revendiquer. Nous n'avons pas envoyé les bandits pour aller brûler les bapinés. On n'a pour revendiquer. Nous restons pacifiques. Le seul chemin pour nous, AFDC, c'est les cours de tribunaux. C'est tout. Non, madame, attendez. Attendez. Ce qui est comme Zali, il faut boyer la partie. Parce qu'on évite que le président, autorité morale, a institué une commission. Où il va bien une des commissaires dans le camp colon pour aller correspondre. Ah mais ma bah élément naïe et Emmanuel même naïe. Sur le discours prononcé par le chef de l'État pour la toute première fois, d'être le fait qu'il soit réuni, le discours qu'il a prononcé. On va également revenir avec ce qui se passe dans le regroupement AFDC, allié de Bahati Mukwebo, parce qu'il y a tellement de gens qui sont lésés, aujourd'hui sont montés au créneau justement pour réclamer ce qui leur revient de droit. On va aussi essayer de parler de la République démocratique du Congo, parce que moi j'aime bien qu'on parle de la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Comment est-ce que nous réfléchissons sur les 5 ans à venir? Qu'est-ce qu'on doit réellement
réellement réalisée dans les 5 ans à venir. Alors, sur ces plateaux de Congo Unie Télévision, j'ai le plaisir de recevoir les coordonnateurs nationaux, Bakassele Sam, qui est aussi de la dynamique Bati Lukwebo. Bonjour et bienvenue, monsieur Bakassele. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Très bien. Malgré ce petit retard, j'étais trop occupé avec le contentieux que nous avons. Ça et là, il faudrait être aux aguets pour protéger nos voix obtenues et aussi, pour protéger aussi nos sièges à tous les niveaux. Protéger vos sièges à tous les niveaux. Voilà. Alors, on va essayer de parler en lingala pour permettre à tout le monde de comprendre vraiment le fond de votre pensée, surtout avec tout ce qui se passe. Quand il y a regroupement à la BINOAFDC, monter vraiment au créneau. Mais j'aimerais d'abord, avant tout, pour analyser les discours du chef de l'État. Aujourd'hui, les gens se disent encore, est-ce que ça ne sera pas une nouvelle fois de promesses? Parce que déjà, dans 5 ans, il n'y a pas que de promesses. Est-ce que ça poursuit ou continuité à la promesse? Madame, je ne crois pas que ça bongo. Parce que au Bengisi, Muntu Oyo a Tamboli, 26 provinces, on a posé la campagne à Mokozamboka. Muntu Oyo a moni, réalité, il y a incompréhension, et puis, a moni, le lengue, bah, et bah, qui n'a possibilité à posé sa Mokozamboka. Bah, son guillette, et Mokonjamboka a se retrouvé Yemoko. Mokonjamboka a se retrouvé Yemoko. Le col à Moko y a baillé Basalaki, parce que dynamique, Zalaki au front. Avant que Mokonjamboka a commencé, nous nous y arrivons, on fait notre travail, et puis nous mobilisons aussi pour nos candidats députés, nos candidats nationaux et provinciaux. Dynamique, bah, c'est Zalaki au front. Et pourtant, bah, tu vas vivre Mokonjamboka qui est vraiment sur le terrain. Ouais, 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 ça, ce n'est pas les ça, c'est les coups où il bat ça la cas pour na Mokonzi Nabiso. Biso to la qui offre. Parce que Mokonzi Nabiso a pèsé biso autorisation. A lobi ngai batre kwebo na kozala candidat président de la République. Mais il y a un candidat s'appelle Félix Antoine, je sais que dit Chilombo. Alors, comme c'est une recommandation qui vient de la haute hiérarchie du parti, tout le monde était aux aguets. Que tu sois député national, que tu sois député provincial, que tu sois conseiller, que tu sois. Donc, chacun était contraint de mouiller les maillots pour faire la campagne du chef de l'État. Chose dite, chose faite. Dynamique comme un groupe de pression qui protège d'abord la personnalité de l'autorité morale et qui protège les intérêts du regroupement AFDCA et qui sauvegarde l'existence du parti AFDC. Donc, je veux dire quoi là-bas? Nous sommes en train de faire la promotion des fils maison. Bana et AFDC, oui, bah, oh, bah, yekoli, maye, tata est parti à la Kisabango. Donc, les fils maison, les enfants de la FDC, et par après, Kosunga, Baye, nos amis de la FDC, les alliés, pour que Bassa, la Moussala, Oye, Sengeli, au sein du regroupement. Donc, toi, là, qui, au four et au moulin, et Tolongi et Tumbawana, parce que c'est là qui, Mokano, Oyo, Mokozinabiso, Batru Kwebo, a Peseki Biso. D'accord. Ok, Zaki Mokano, mais tout côté na fonce Koyo. Il y a le discours du chef de l'État. Par rapport au trouver Babel là qui est installé, le Béli m'envoie des dollars, ils ont continué dans le mandat. Le chef de l'État promet aujourd'hui à la jeunesse création d'emplois. Il y a un autre gâteau Yéba. Est-ce que vraiment les paroles prononcées hier au stade des martyrs de la Pentecôte, le président Félix Antoine Tshisekedi, la deuxième personne, a prêté serment à un stade des martyrs. Est-ce que toutes les paroles prononcées, il les prendra en compte? C'est cela ma question. C'est ça. Ça veut dire que
Maye Mokonzi Yamboko, tata Kola Lobby Nakatia Sade Marti, et à la qui renouvellement et engagement politique naye par rapport à besoin Oyo, Bayimboka, Baye Nayango. Mokonzi Yamboka a yebi maintenant joueur et son jeu, a yebi terrain de Ngéali, assis à lancer Bajalon, Moko Yakitoko, maintenant qu'il est temps de parachever ce qu'il avait commencé. Donc, mandat Oyo Ezali, achèvement, et à Maïnion, sur Félix, à Salakite, et Sengeli, et Sila, et à Sepelissa, Banamboka. Misala, et Zouama, d'ailleurs, tout ce notre ami, camarade Jean-Pierre Liaou, qui a quand même fait un travail important au niveau du ministère de la fonction publique. Vous avez Maître Ekila, il y a transport. Au moins, on a travaillé. Nous avons aujourd'hui la culture, pêche et l'élevage. Ministre Bokele, Oelelo, avec le Mélabiso, Babato de pêche, na RDC. Donc, Azali Kouachevé, Maye Alaka, Banamboka. Madame Nayebi, bien. Mont oyonga na zako lobela Félix aza montu oyo soki alule kambo kaka nenga biwa nenga sa Jerusalem il n'a jamais reculé devant un problème pour l'avoir au moins côtoyé rencontré azali montu moko décisif et ayemayi aza koloba pe aza kosala et le ko na reçoit na mboka makambo Félix alimi na stade elle en masa noté mais alobi busolo et ala kisabiso nyonso ki robimba engagement pour tout n'aller pas na ko changer makambo donc Ezali promette, mais c'est une réalité qu'il faut vraiment essayer de prendre en considération. Surtout, appeler nos compatriotes. Il y a tout ça, il y a qu'on paie sa confiance. Il y a qu'on paie sa confiance. Il y a qu'on bénéficie. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Regroupement AFDC allié. Le candidat n'a plus de Kendaki. Mais élection législative, les lots, bazakoli, la même procuration à Pamba, Yosena Bino, Baiko Senga Kunabou, parce que vous avez la commission, la Bino Salaki, bon mandat, Tata Bango. Qui sont-ils? Bakende, qui sont-ils? Dis-moi d'abord. On a cours, comme ça, on va présenter à Taba Pé, Banani Wana. Banani Wana. Mais votre candidat, vous alignez qui? Naïbite. Nous avons aligné 500 candidats. Pour la FDCR, 500 candidats pour l'AIDC. Qui sont-ils, ces candidats-là? Il faut n'aller pas Bango. Mais il y a pas des gens qui viennent réclamer quand même la procuration. Na lobby biso na kati ya parti nan na monate montoyé ko réclamer maye matali en élection parce que tous nous avons reçu les mots d'ordre. Vous croyez ba siège na bango pas Emmanuel Bati. Nous sous on a Bati. Bati. Ozobo ya ko cité combo ya baye ba lobby. Moi je ne parle pas là. À quoi sert d'être ici? Mais pourquoi je dois citer au moment où il y a mon... Non, je dois savoir qui se plaint. Mais n'est-ce pas que Zolanda Bato en a... J'ai dit, non, moi j'ai le temps de suivre mon autorité morale. Vous n'avez pas le temps de suivre... J'ai le temps de suivre mon autorité morale. Ça c'est un. J'ai le temps de suivre scrupuleusement les actions de Fatih. Ça c'est deux. Troisièmement, j'ai le temps de m'occuper de la pérennisation de la politique de l'AFDC. Après l'élection, pour le moment là, on a fait un grand travail à campagne, on s'est mouillé les maillots. Maintenant là, je m'occupe na maye matali, l'existence y a parti en FDC. Je ne perds pas le temps de Maramo Zaratina. Ils en ont vraiment dit. Oui, si tu ne me dis pas les noms. Ça va servir Bino, Médar Kakolonga. Voilà. Non, mais là, au moins, il y a Zanakati. Bazazara, il y a mon repiti, Bazar, moi. Bon. Et là, on a Nalandé, na top Congo, comment est-ce qu'il est en train de plier les mêmes?
Et là, on a eu, c'était un camarade du parti, oui. Azali, mon tomoko bien, to yebani, akambosa la kabien, avec son parti politique. Parce que lui est allié. Mais... Vous comprenez? Mm. Il faut d'abord qu'on précise ça. Qu'Azali, allié, il y a AFDC. Allié, mais vous voyez que ça, les attends, il est allié, mais n'est pas fils maison AFDC. Mm. Ça, c'est un élément de taille qu'il faut. Mm. Banamboka, Bayike, Baye Bayam. Deuxièmement, Bissot, par rapport à un nombre où il y a battu, il y a un candidat qui est au place, dans le nombre de battu aujourd'hui, comme siège, tu as là qui est un groupement qui devrait se révolutionner. Mais comme nous sommes les pacificateurs, nous sommes là pour défendre mon oito boti nyo sacré pour na ko pesate ndingisa na ba yini ya Congo, parce que il y en a qui attendaient que nyo sacré et kabwana hein ba se kabiso ba continuer avec leur critique. Nous en tant que fils, en tant que adeptes yabatu kwebo, on ne peut pas donner l'occasion à l'ennemi. C'est pour cela, au Monique, après publication, nous n'avons envoyé personne dans la rue pour aller revendiquer. Nous n'avons pas envoyé les bandits pour aller brûler les bapinés pour nous revendiquer. Nous restons pacifiques. Le seul chemin pour nous, AFDC, c'est les cours de tribunaux. C'est tout. Non, madame, attendez. Attendez. Ce qui est comme Zali, il faut boyer la partie. Parce qu'on évite que le président ou autorité morale a institué une commission. Il va bien une des commissaires dans le Kankolong pour aller correspondre. Ah, mais il y a des éléments. Emmanuel a même des éléments. Emmanuel a même des éléments. Kankolong a même des éléments. Les jours, attendez, moi, je suis une bouche autorisée. Okay. Ce que moi je dis, c'est la vérité. Tant que Emmanuel a eu là-bas, il y a parce que d'ailleurs, c'était Maman Elodie. Dans toute cette histoire, Maman Elodie, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas Bahati qui est membre de la CENI, maman. On a appelé élément de taille, il faut Bahike, Bayango. Bahati n'est ni Kadima, n'est ni Manara, n'est ni Moninganagai, Ajimatembo, Toto, n'est ni Marcel Kapinga ou bien mon ami collègue de travail, Toto. Le sein de la CENI, Bahati n'est qu'une autorité morale. Il a subi les coups comme tout le monde. CENI, ils ont été. Lui a quelle parole, quel pouvoir pour imposer à la CENI de donner le siège à quelqu'un qui n'en mérite pas. Vous croyez qu'un homme comme Bahati, un homme honnête, je crois que tu es une grande journaliste, j'aurais voulu qu'un jour tu entres en contact avec lui au Monaye. Sais-tu que c'est le seul politicien qui a un numéro, depuis que Vodacom existe, il y a communication. Tu te l'appelles Ayamio Mosololinaye. L'unique politicien. Mais la plupart que moi j'ai côtoyé, ils ont 1000 téléphones, soit personne un numéro, soit bengué, soit éteint, soit personne cellulaire. Mais, bah, tu as bengué un téléphone, il y a un numéro privé Ayamio. Pour ça, grand journaliste, je préfère que tu prennes le temps pour côtoyer Oyokaye. Je crois que tu vois changer le langage. Et tu seras aussi adepte, y a des choses comme nous autres. Oui, mais adepte. Mais en tout cas, quand vous avez un cas, vous avez un cas. Vous avez un exemple, il y a un déco Steve Mbika, vous avez un cas. Vous avez un cas. Madame Adèle Kaïn, vous avez un cas. Yo, toi, tu me cites que le bateau Oyo. Mais oui, ce sont des gens qui sont. Zéla Naebisayo. De votre regroupement. Bazali bateau Oyo, Batinda Maki, pour avoir un AFDC. Et que détruire l'autorité morale. Zéla Bango. Zéla. Mais au Ben Sengait. Il y a bien dit si on peut faire ce que c'est. Et. Batouano, le Biwano. Bayalaki Batoumoko, les eaux filtrées. Et Kagame. Pour n'a qu'on détruit. Kagame. Ouais, ouais. Pour n'a qu'on détruit. C'est une méca et des Kagame. Basé, Bené. Oh. Adèle Kaïda des Kagame. Yo, osez battre. Kagame a ses pions. Vous voyez bien à côté. Tin AFDC, ma qu'on compte à Kuna. Bazalaki est belé. Et les gens qui leader là, ça mon tomogo à Timba et puis à Timbele Bango, Moshika, c'est un truc qui a eu le gelé.
parce qu'ils venaient pour trahir. Et ils ont échoué avec les trahisons. Les trahisons n'ont pas produit le fruit. Donc, ils n'ont pas réussi à détruire la FDC. Ils n'ont pas réussi à créer une existence à la FDC. Parce que pour la Bango, Bahati gêne. Comprenez? Nenenkoulou, Adel Kaïnda, tout ce monde-là, c'était le genre, les infiltrés envoyés pour créer l'inexistence à FDC. Pourquoi? Parce qu'il reste un homme loyal, déterminé à défendre la patrie. Je suis clair là-dessus. Maintenant, Vagouane et Kéi, tu te gagnes la banque, tu te gagnes la banque, c'est quoi le troisième vague? Pas Molière. Molière. Akinaga, parce que monsieur Naye. Tout le monde est insatisfait. Monsieur Naye, madame, moi, est-ce que je suis du Kivu? Je peux citer les gens qui ne sont pas du Kivu, mais qui ont eu des postes importants, qui ont eu des responsabilités au sein de la FDC. Est-ce que le ministre des Transports et qu'il a, maître qu'il a, est-ce qu'il est du Kivu? Je peux citer liste, il y a Bateau, il y a Bazali. Et qu'on a été. Toyebi. Toyebi qui est une des comédiens en Angola, Chris, on les a approchés par un groupe de. On les a approchés. Approchés par Bango Toyebi. Nous sommes au courant de tout. On les a approchés pour créer, pour distraire l'opinion par rapport à la revendication de la FDC. Alors, ils voulaient créer trois ou quatre messieurs, babiment, pour pas créer distraction dans l'opinion. On les a pas approchés avant les élections, mais on les approche après les résultats. Maman, m'a approché Bango justement après l'élection. Toyebi, comment le plan était organisé? Tu as suivi Mbata lorsqu'il jurait de détruire la FDC. Tu l'as suivi comment nous avons perdu le ministre, le juge à la Cour constitutionnelle. Tu as suivi Mbata quand il vous dit que nous avons perdu le ministère de l'économie. Est-ce que de tout ce que nous avons connu comme perte à la FDC, Oyoka, Bahati, Atelema, Aganga, Aloba, il reste un homme loyal vis-à-vis du président de la République. Rassure-toi que jamais nous ne pouvons aller dans la rue pour aller revendiquer quoi que ce soit. Mais nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Aujourd'hui, non seulement les deux messieurs, aujourd'hui, il y a les regroupements qu'on a rapprochés encore pour attaquer la victoire, le siège de la FDC à la Cour constitutionnelle. Et les gens ont mis des moyens pour ça. Oui, mais question, la vie, c'est mon élu, ils ont tiqué quand même, ma Congolais, à Koumouna. Maman, Bahati, je l'ai. Bahati, Bassem et Bahati. Oui, mais qui est mon repétable. Donc, ce ne sont pas des. Maman, pas Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Si moi, Bakassem, j'avais postulé, rassure-toi, je passerai. Vous passerez? Oui, je passerai. Bon, Bande Kouami, Bale, Bale, quittez quoi? Non, Bale, qui la Bango? Bale, c'est une des moutons à Kabolibu, ce moment. Ce n'est pas. La FDC n'est pas la CENI. Jamais. La FDC n'est pas au membre du bureau de la CENI. C'est déjà parti prenante, déjà parti politique. C'est un. On a donné à personne. Maintenant, aujourd'hui, au Yamérita. C'est la CENI qui est l'organe indépendant qui a joué de l'arbitrage, qui nous a départagé tous. Les vainqueurs, maman, les vainqueurs endossent, les gagnants endossent. C'est la CENI que nous avons nous-mêmes mise en place pour nous gérer. Mais pourquoi vous refusez de l'air de l'air octroyer la procuration? Mais avant d'abord qu'on donne la procuration, il y a une commission. Il faut qu'on examine en interne. Mais pourquoi il y a une commission? Ces deux messieurs ne veulent pas répondre à la réunion. De Bayeté. Bayeté? Nathalie Rébéré, d'ailleurs. Bayeté. Donc, ce qui bat, parce que quelque part, pour n'a qu'à salir autorité morale, malheur à eux parce que on ne saura pas Mais c'est la même révélation, moi, je suis il y a des gens qui ne dorment pas. Quand ils veulent battre, ils veulent marcher, vivre. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui font par tous les moyens
pour que, en tout cas, que j'apprenne que non, il est mort. C'est pas possible. Hein? Donc, je te dis tout simplement que à l'AFDC, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de conflit. Quand et dans cette union sacrée aussi, il n'y a pas de problème parce que tu as un bulldozer ou un agneau, surtout au Moulara, tu n'as pas par maman Marthe. Tu as évité ce que tu as fait quand tu as partagé. Comment est-ce que c'est possible? Oyebi, nous sommes en politique. Ce qui te monique, c'était à l'époque où j'étais un président, tu peux l'aider bien à l'été. Ah, nous avons un président au TV, il n'y a pas d'abandon. Et le bas, l'artiste ici, comédien, hein? Félix Toyebi n'est pas dans Bango. Hein? Ça y est. Félix Toyebi n'est pas dans Bango. Toyebi m'a renaillé. Ce qui le cambe, je suis dans mon thème. Je suis dans mon thème. Ce qui passe dans mon thème. Je n'aurai pas mon Bart. Mère, tellement que je suis dans mon thème. Vous comprenez? Donc, ce n'est que normal. Ce qui n'est pas dans Bango, soit tu passes dans moi, Lipa, moi, Tchoke, pas vivre. Ce qui est normal. Amir, dans Bango, à moi, à mon côté. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il y avait des frustrations, certes, dans l'Union sacrée, qu'il faudrait quand même régler. Et moi-même, j'ai sollicité l'arbitrage de Banzamora. Ngaïmoko Bakasende, Nasengaki, la dynamique, nous avons demandé l'arbitrage à Banzamora. Et ce qui est là qui m'a écouté, parce que Banzamora n'a pas rien à y a ça dit que ma cambo et la langue est bien. Ma maison est normale. Et puis, il y a Moko à le biboyer. À Pessi Bango Fololo. Hein? À Pessi Bango Bafler. Nastad. Il a reconnu les mérites de Balinaye. Et nous, sacré. À le biboyer, à retravailler dans Batunyonso. Motumoko Terre, vous allez épargner. À Yébi sacrifice au Bambamouni. Bako Satir, pour la cause du deuxième mandat. Félix et Moko à reconnaître les efforts consentis. Pardon? Non. Madame, nous sommes en politique. En politique, c'est l'apport de force qui compte. AFDC, il y a troisième parti politique, troisième force politique au niveau de l'Assemblée nationale, deuxième parti politique au niveau des assemblées provinciales. N'est-ce pas? Je crois que, mais tout va se faire calmement, il n'y aura pas de casse. Je crois que, Baba Mikolo, Basso Bavouan, Basso Loli, tout est harmonisé. Ne t'en fais pas. Oui, mais n'aimé, c'est Basso Kokaka pour supporter un motif de frustration, non, ma, avec tout ce que Jean-Pierre Bemba. Nalobi, ça c'est les gens. Il y a Jean-Pierre Bemba, moi aussi, ça c'est les gens qui veulent amplifier les conflits entre nos leaders. Il n'y a pas de problème avec le leader. Mbemba sait que de son retour de la prison, il sait ce que Félix a fait pour lui. Est-ce que Félix en parle? Tu as suivi, il dépatoie les adeptes à Félix. Dire que non, on a fait ça à Mbemba. Si aujourd'hui Mbemba a le droit politique d'exister des droits politiques à l'RDC, ce n'est pas Félix. Donc, ça sont des gens de la rue qui ne comprennent pas la politique. Qui veulent envenimer les conflits pour que ça profite à nos ennemis, à Kagame et Moseviri Kaguta, qui enveniment ça. Les gens donc, de la rue. Ouais, ouais. Mais qui racontent ça. Les gens de la rue, ils ont des informations pour que tu as 4 et pas la binomoro, bah, 4 de ma partie, différents partis politiques, même dans le regroupement. Bah, toi, tout le monde, ils ont tout babapiné. Bah, toi, tout le monde, ils ont réclamé Wana. Ils ont dit, MLC, bah, 4 et MLC, tout le monde. Comment? Est-ce que. On peut incomber ça, Félix. Même si on veut attaquer Félix, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? C'est la CENI. Et la CENI, après Sindingi Salobi, ceux qui sont lésés, ceux qui contestent les résultats que nous publions, le chemin est ouvert tout droit à la cour. Vous comprenez? Alors, au lieu de passer le temps dans la rue, brûler les pneus, il faut aller à la cour. Rassurez-vous que la cour a des hommes hein, compétents. Commençant par le PG, c'est un homme vraiment correct. Le président Kamuleta. Donc, tout le monde du bureau que moi je connais, Bokona, Sylvain Lumu, je connais autant de juges, sont des hommes vraiment corrects, intègres et engagés pour
de partir tous les uns les autres. Donc, ne passons pas le temps dans la rue, allons-y tout droit. La Cour va nous départager. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse réfléchir sur la Constitution. Mais est-ce que c'est arrivé aujourd'hui, va changer, tout va modifier, tout va, je ne sais pas quel terme encore utiliser, va modifier, tout va changer constitutionnel. Serez-vous d'accord? Pas modifier, changer. Madame, d'abord, vous avez 53 articles pièges dans cette constitution de 2006. Je dis bien, 53 articles pièges qui hypothèquent notre souveraineté, notre identité, qui consacrent l'impunité. Aujourd'hui, si un directeur détourne l'argent, parce que dans un pays où on détourne des millions, on veut arrêter le directeur, il y a des procédures. Combien de rapports que le GFA a sur le mandat public, mais il y a une difficulté pour les arrêter. Il y a des procédures. Il faut que les ministres autorisent, il faut que l'Assemblée se réunisse en congrès. Tout ça, il faut qu'on puisse alléger notre constitution par rapport à notre culture. Surtout, faire en sorte que les éléments, les principes de lutte contre la corruption et l'application du système d'intégrité nationale soit d'application en RDC. Donc, par conséquent, il faut changer cette constitution de 2006. Pas la modifier. Changer complètement. On l'a modifiée en 2011. On l'a modifiée en 2018. Alors, ça a déjà vidé de sa substance. Il faut carrément changer. Donc, ça veut dire que même dans la nouvelle constitution, là, pour ça, la PUB a introduit l'imitation de mandat à la députée. Mais, donc, maman. Pour leur permettre de renouveler même la classe politique. Ce n'est pas une. Ce n'est pas une carrière. 5 ans. Dans le bien. La vie parlementaire n'est pas une carrière, n'est pas une profession. Tu fais une année, deuxième mandat, tu laisses aux autres. Mais pas une carrière, mais tout le monde. Mais la vie est bosse aussi, le Azali Karayo, ma foutée. Ah, bon. Au moins, il y a déjà un grand travail qui est fait. Il y a une commission qui a travaillé sur le changement de toutes ces histoires-là. Et rassurez-vous que nous allons changer cette constitution. D'accord, voilà. Alors, je disais. On voit le changement. Et là, je disais. Vitel Kamere aussi est nommé. Je disais, qui d'autre encore est nommé? Pas nommé, élu. Oui, bon, excusez-moi, le terme est en haut, il n'y a pas de nommé. Ils sont élus. Nommés. Ils sont élus. Députés. Ils ont bâti campagne, non? Moi, j'ai vu Mbosso à Kenge, territoire avant la campagne. J'ai vu Kamere à Bokavu, à Bagira, avant la campagne. Moi, j'ai voté où? Moi, j'ai voté à Bagira, non? Mais n'est-ce pas que vous aussi, vous avez souhaité la nouvelle classe politique quand même? Mais c'est ça. Ah, mais je suis convaincu qu'il y aura quand même un changement radical vraiment au sein du Parlement. Vous imaginez un peu, on retrouve le Parlement, trois candidats présidents. Le Parlement 2024. Député provincial, député national. Maman, c'est l'égoïsme, non? Hein? L'égoïsme, il faut tout le monde. Tout le monde, vraiment. C'est qu'on a même peut-être au député national, il y a un sous-ministre, un suppléant. J'aimerais quand même qu'on parle de cette histoire des seuils. Je crois que ça pose un sérieux problème dans les chefs même des Congolais qui ne comprennent absolument pas le système Mwana, ou je crois même les partis politiques. Madame Ngaïna, Ngaïna Boéa. Tu vois, quand on élaborait cette loi électorale, Bakassène a fait une marche. Bakassène a fait une marche. Naboya Kabloya, c'est eux. Parce que c'est ça qui piège. Et j'ai dit aux uns et aux autres, vous regretterez
J'ai vu les gens qui même ceux-là qui ne m'appelaient pas, m'ont appelé. Pour dire quoi? J'étais prophète. Moi, madame, je ne suis pas flatteur. Je parle ce que je pense. C'est pourquoi Kabila ne va pas vous supporter. 18 ans, je n'ai pas travaillé avec lui. Je suis resté en dehors du système. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas à même quelqu'un manque quoi faire, quoi vivre. Donc, je reste dans mes principes. J'ai dit oui quand il faut dire oui. J'ai dit non quand il faut dire non. C'est ça, moi. Naboyaka, Makamouyasei, Oyo. Baye Langambongo. La bataille européenne. Parce qu'au Lingina, le Bosolo. Baye Langambongo. Bataille Union européenne, pour que na continue marche. Ah, ok. Koboya Sei. Or, c'était le jeu des opposants. Mais moi, je suis engagé pour Félix Tshisekedi. Je dois défendre l'Union sacrée. J'ai compris que la majorité avait déjà choisi pour le Sei. Je me suis dit, bon. Je ne voudrais pas être à la base à Mutumutu Namboka. Rappelez-vous de la loi Sakata. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes dans la Katsamboka. Oui, mais toujours qu'il y ait un parlement de Moni. Quand même opposition, en tout cas, ils ne se retrouvent pas vraiment. Hein, on ne se retrouve pas. Ndeko Moïse Katumbi Balobi, Toyebina Nute, toujours Zélaé, quand même, a fait sa déclaration. Là, pour Boya. Kamita, toi, ça, lui. Pour Boya, Bakabaka, Donaéba, siéger dans le Parlement. Et aux à la Parlement, on ressent opposition. Nazo Yebisayoke, s'il y a un homme reconnaissant envers Félix, c'est Moïse Katumbi. Reconnaissant, il n'est même pas reconnaissant. Est-ce qu'il est reconnaissant? Non, je dis, ça c'est vous. Mais je dis, s'il y a un homme vraiment qui est reconnaissant, qui est convaincu, de la bonne foi de Félix, c'est Moïse Katumbi. Pourquoi? Il est conscient. Pourquoi? Azo Mboka. Amona Mboka, la musique en Zambie. Azo Tete. Azo passe pour nez. N'est-ce pas? Pendant que les gens croyaient que alors, elle a éliminé la rue Cochonel. Il a été acquitté. Apostille, écoute. C'est une raison qu'il a été détaillé. Mais on a Félix, c'est la cour constitutionnelle. Mais Yango, c'est le régime de Tshisekedi, non? Oui, mais il ne faut pas dire que c'est comme si Félix a été fiancé. Mais non, non, c'est-à-dire que. Non, on risque de dire que Félix a la même mise. Non, c'est-à-dire que c'est le régime de Félix. Il a joué un grand rôle. Moïse est conscient de ça. Et c'est les bandes qu'on a mis sur les années Motem Mabé, les Aoussa Bango. Qu'est-ce qu'ils perdent? Qu'est-ce qu'ils gagnent si aujourd'hui Félix a échoué? Félix a Koufi. Ils vont rien voir. Parce que nous avons connu ici la mort de Moïse Kabila. Ça nous a coûté hein, beaucoup de choses aujourd'hui que nous regrettons. Au lieu d'avancer, nous aurons la ciment. Tu te rends compte? Donc, moi, j'invite les Congolais à ne pas céder à ce discours-là de haine qu'on sort. Nous devons tous nous rapprocher pour défendre la patrie et dire non à l'ingérence extérieure. Parlement sans opposition. Non, je ne crois pas, madame. Je sais que j'ai entendu ensemble, j'ai vu ensemble alliés, ils sont nombreux. Il y a l'ensemble alliés, ils sont nombreux. Ils ont créé aussi des mosaïques, ensemble avec des mosaïques. Je connais beaucoup de gens qui sont je disais que j'ai vu au Kassai, comme si c'était de la mosaïque IDPS, mais soutenu, financé par ensemble. Ils ont battu les campagnes avec les moyens de l'ensemble. J'en connais. Donc, toi là qui, alors, infiltré, Nandengi Moko, ma recoupement est belé. On a pays, Tobino de FDC, vous avez infiltré. Pays. Vous comprenez, hein? Nous existons. Nous existons. Maman,
Fati a la carne à la matinée son jour. Zéla. Ah. Bah, au canon, bah, mounions. Attends, bah, il va bon, mais les bamillons. Zoga, on va le faire à zo mon macam. Fati a zo mon macam. Aïbi. Bah, au canon. Bon, il y a campagne, il y a France, il y a Belgique, États-Unis, Afrique du Sud, Canada. Bon, on est cueilli, et zongi na Congo. Émission Oyo, Bana Oto Zawana Yango, Barobin Gayo. De Mongoyo, au Bandegoua, il faut que la France. Mongoyo, il faut que tu aies la campagne, na, Yamgonja Moka, na Poto, et Komate, et Zonga. Bana Poto, je crois, Franck Chimbi, Bana Litambou, Bana Brisset, bon, il y a un peu de vérité. Je n'ai pas dit que tu es un peu de vérité. Quand il y a